Hurlant dessus. Et mon petit déjeuner, bordel!
battu. Je meurs de faim. Je meurs tout court. C'est pas bien. Et mon petit déjeuner, bordel. Tu vas déranger les autres. Quelqu'un va venir. Alors, faut éviter, hein. Tu attends un peu. Tu leur donnes le temps. Et avant que tu aies pu dire ouf, ils t'injectent une petite dose de pétidine. Ça détend les muscles. Parce qu'ils vont te faire la toilette. Ça soulage la douleur. Et mon petit déjeuner, bordel! Et voilà. T'as aucune idée de l'heure. Si c'est encore le matin, l'après-midi. Quelle heure il est, bon sang? Tout ce que tu sais, c'est que tu n'as pas eu ton porridge. Mais je suis sûr qu'ils te l'apporteraient. Si tu demandais, ils ont l'air très gentils. Ah, ils te l'apportent, ça, oui. Quand tu dis « j'ai très faim, puis j'espérais goûter à ce délicieux porridge, madame l'infirmière », ça me fait bigrement envie. Tu dis ça? Ce délicieux porridge, ces mots-là? La ferme. Ça me fait bigrement envie. La ferme! J'aimerais bien t'entendre dire ça. Ça vaudrait le déplacement? Et là, il te... On vous a proposé du porridge ce matin, mais vous l'avez repoussé. Peut-être que tu dors quand même. Je dors pas. Et il me propose jamais de porridge. En tout cas, pas que je refuse. Tu avais l'air de dormir. Tu m'avais vraiment l'air de dormir tout à l'heure quand j'ai regardé par la vitre. Eh ben, je dormais pas. Tu ne m'as pas vu? Tu n'as pas tourné la tête. Je t'ai regardé. J'ai regardé longtemps le nom sur la porte, l'homme dans la chambre. La moitié d'un homme. Tu avais le teint rose. Ça m'a surprise de te voir tout rose. C'est la chaleur. On se croirait dans une serre, bon sang. Une vraie serre, bon sang. Est-ce qu'on peut baisser le chauffage? Je me souvenais. Tu avais le teint jaune. Le foie. Et le jaune, c'est... Le rose, c'est automatique, hein, ces associations. Mais le rose, c'est innocent. Bon sang, les rideaux sont roses. C'est pas un peu trop? Tout le monde n'aime pas le rose. J'ai fait tout doucement, tu m'as pas entendu. Je t'ai entendu. Je suis restée là plusieurs minutes, debout, à savourer la lumière et les couleurs et le soulagement. Le soulagement que ça n'ait pas été, que ça ne soit pas. Rien à voir avec les hôpitaux où j'ai été, orthopédie, plâtre. Et quand tu t'es réveillé... Mais tu dormais pas! Quand tu as ouvert les yeux et que tu m'as vu, j'ai souri. C'était naturel, normal. J'aurais souri à un inconnu. Ok. Ok. Mais t'as fini. Le sourire? Oui, le sourire, t'as fini. Je sais pas. Alors est-ce qu'au moins t'as fini avec... Jolie, jolie. La jolie décoration ceci. La jolie décoration cela. J'ai fini, oui. C'était l'effet de la surprise. Tu m'as apporté quoi? Je t'ai rien apporté. Je t'ai apporté moi. Alors là, bravo. J'aurais pu ne pas le faire. Plus fort que toi. Je savais que tu viendrais. Toi, plus que n'importe qui. En manque d'absolution, hein? Oui. Et puis, situation idéale. Même pour quelqu'un qui craint les hôpitaux et tout. Le pire que je puisse faire, coucher là, c'est de te faire honte en beuglant. Et mon porridge, bordel! Je n'ai pas honte. Quelqu'un pourrait croire que j'ai mal à courir, te trouver là. Quelqu'un pourrait croire que tu m'as fait mal. C'est peu probable. C'est peu probable. Alors, il y a quoi dans les sacs? Une petite surprise? Rien de folichon, pas de quoi s'exciter. Des draps propres. Quand on m'a appelé hier soir, on m'a dit qu'il y avait des problèmes de blanchisserie. Demandez si je pouvais apporter des draps propres. Je vais prendre les tiens et je vais les emporter pour les laver. Non, je peux pas. Je les rapporterai très vite. Non! Je suis pas... Non! Et ça ne me dérange pas, je comptais faire une lessive de toute façon. La ferme! Dans l'autre sac, c'est quoi? C'est pas pour toi. Tu vas me faire la surprise. Une petite bouteille. Une petite bouteille.
bouteille de nectar doré. Je n'ai pas apporté de whisky. C'est un hôpital, ici. Tu ne peux pas boire de whisky à l'hôpital. C'est une unité de soins palliatifs. C'est comme un hôpital, mais en mieux. Et je peux boire de whisky si je veux. Je suis en train de mourir. Je peux boire ce que je veux. Ne compte pas sur moi pour t'en apporter. Trouve quelqu'un d'autre. Qui d'autre? Qui d'autre va venir? Ton frère? Non. Il n'oserait pas. Non, jamais. Personne. Je ne peux pas. Mais si tu peux. Et tu es malade, non? Whisky et morphine, ça va te rendre zinzin. Non, non. La morphine, tout le monde croit que c'est super. Zéro douleur. Des picotements. Où suis-je? Quand est-ce? Comment? M'en fiche. Où est mon... M'en fiche. Porridge. Fade, tu entends? Fade! Trop doux! J'ai besoin d'un tout petit peu de goût, de piquant, de lucidité. Juste un peu, pas trop. Pas de douleur. Un petit whisky, t'aurais dû m'en apporter. J'oublie. Dans tout ce rose, ce nuage, j'oublie qui je suis. Je pourrais oublier qui tu étais. J'y suis pas, je dors pas, et puis j'ouvre les yeux. Et te voilà, tout sourire. Parce que tu trouves qu'il y a de quoi sourire. Tu as souri? Tu m'as souri? Putain, la morphine. Sourire, sourire. C'est normal, ça se fait. Non, je suis pas heureux. Je veux pas que tu me souris. Moi, je te sourirai pas. Il y a quoi dans l'autre sac? Rien. La ferme. Une chouette. Une chouette en plastique. On a des problèmes avec les pigeons qui chient sur le balcon. Oh mieux. Les pigeons. On aimait ça, hein. Leur donner à manger au soir. Debout, les bras ouverts, des pigeons plein les mains. En équilibre sur tes doigts, perchés sur ta tête. Les pigeons. Ils salissent tout. Avant tout ça. Ça, oh Dieu! Ah, Dieu de Dieu! Où est mon whisky? Où est mon whisky, bordel? J'appelle l'infirmière, tu veux? J'ai ma morphine. Alors appuie sur le machin, hein? Vas-y, appuie! Dans une seconde! Dans combien de temps tu... C'est quand la fin des visites? Il n'y a pas d'horaire, j'ai dit, je peux rester autant que appuie, je te... Plus tard! Dans une seconde, quand tu seras parti. Assieds-toi une seconde. Tu souffres, je vais... Je peux pas m'asseoir. Assieds-toi! Regarde-moi. Tu souffres? Je me suis dit, c'était peut-être pour ça que t'étais venu. Pour regarder? Me regarder souffrir. Assise, j'ai dit! Je ne peux pas. Ça commence dans le dos. Là, d'abord, tu m'as mal dedans. Dieu de Dieu! Après, ça va vite. Le dos, c'est tellement le dos. La nuque, les épaules, les bras. De la colonne, vertébrale. Noué. Mon bras gauche. Aïe, 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 aïe. Va falloir... Pars! Appuie. Je voudrais te voir calme avant de partir. La ferme! Où est mon whisky, bordel? Où est mon whisky, bordel? Attends, reste pas là à sourire. Quand j'ouvrirai les yeux, je ne veux plus te voir là à sourire. Tu ne mérites pas. Appuie donc, je ne sourirai pas, promis. Je vais raconter n'importe quoi. Pas grave. Ne crois rien de ce que je dirai. Appuie. Je vais m'asseoir, attendre un peu, pas longtemps. Je ne sourirai pas. Je ne me mérite pas. Ouais. C'est ça.
Ouais. C'est un truc qui te submerge, je sais. Douceur. En douceur, ça commence en douceur. Une fois, j'ai appuyé trop souvent. En panique, j'ai trop appuyé. J'ai eu des étoiles. Non. Un échiquier. C'est ça ce que j'ai vu. Partout, murs, rideaux, ils étaient divisés en carrés noirs et blancs. Tu aurais pu jouer. T'avais la tête. Des carrés qui bougeaient. J'ai dû me concentrer. Mais chaque fois que je regardais le carré, il se divisait. C'était sans fin. J'étais dans un casse-tête sans fin. Avec... Ça picote. Et... Oh, oui. Ça picote. Bon Dieu. Je te regarde, c'est... Comment ça se fait? Tu sais? Comment ça peut arriver? Comment tu as pu... Impardonnable! Toi, celle que je voyais arriver... à quelque chose, une tête, dès que t'as dit papa, alors tout le monde, n'importe quel autre bébé, tu étais tellement si vive, rapide comme l'éclair, tu parlais en faisant des phrases complètes, une minute, pas pas, puis la minute après, vraiment, rapide comme l'éclair. Est-ce que je peux avoir une tartine avec du beurre? Tu l'as dit comme ça, direct. Alors comment veux-tu que... C'était bien naturel. Comment imaginer... Comment... qu'un petit bout pareil... Un petit bout aussi. Incroyable! Puis si mal tourné. Si mal! Tu étais... Toujours... C'est trop d'expression. Est-ce que je ne t'ai jamais dit, quand tu étais un amour, un petit amour, le jour où tu es né, fais un sourire à ton père, hein? Un sourire à ton papa. Ton papa aurait pu te protéger. Donc t'as fait trop de mal. Ça, c'est une gentille fille. Ça, c'est un gentil sourire.